I'm a civilian. I'm not your lawyer anymore. I'm nobody's lawyer. The fun's over. From here on out, I'm Mr. Low Profile, just another douchebag with a job and three pairs of Dockers. If I'm lucky, a month from now, best case scenario, I'm managing a Cinnabon in Omaha. Address unknown, not even a trace of you. Oh, what I'd give to... Better Call Saul est-elle une meilleure série que Breaking Bad? C'est une question qui revient de plus en plus ces derniers jours depuis la fin de cette saison 4 extraordinaire. Pour ma part, je trouve que cette question n'a pas tellement de sens car Vince Gilligan a créé deux enfants relativement différents. Un assez turbulent, brut de décoffrage et qui n'y va pas de main morte, et l'autre plus calme, plus posé, qui a plus tendance à prendre le temps de faire les choses. Et bien sûr, je ne sous-entends pas ici que Breaking Bad fait moins preuve de subtilité. La preuve avec ma vidéo sur le sujet qui met en avant les détails les plus subtils de ce chef-d'œuvre moderne. Et qui est aussi accessoirement ma vidéo la plus vue de la chaîne, donc... voilà, ça fait toujours plaisir. Je vais donc ici traiter le sujet en deux parties. Tout d'abord une critique de la série dans sa globalité, en traitant l'écriture, les personnages et la réalisation. Et ensuite je finirai par les différents clins d'œil de la série à sa grande sœur Breaking Bad. Du coup on y va. Better Call Saul est une série qui prend le risque de tirer en longueur son développement et de décortiquer miette par miette ses personnages. Vince Gilligan prend le contre-pied de ce qui a fait son succès jadis pour nous offrir une œuvre plus intimiste. Oui, la série prend son temps, et les gens justement reprochent à ce programme d'être trop ennuyeux, trop lent, et même parfois inutile. Mais ça n'est absolument pas le cas. Vince Gilligan prend le temps de poser ses pions un peu partout et de créer son chef-d'œuvre pièce par pièce. Et donc ce qui paraît anodin ou inutile dans un épisode va avoir son importance dans un autre. C'est ce qu'on appelle en France un travail d'orfèvre. Ce programme, c'est de la cuisine gastronomique, c'est de la haute couture. Moi, j'aime cette série pour son souci du détail, pour sa subtilité. On assiste parfois à des scènes tellement intenses, tellement incroyables, et ce sont pourtant des scènes où il n'y a absolument aucun dialogue et aucune musique. Cette manière nonchalante qu'a la série de nous raconter son histoire est représentée de la plus belle des manières par le personnage de Mike, qui se veut être très minutieux et tout en précision. Et ça n'est pas soporifique, c'est juste fascinant, c'est tout le génie de Gilligan. Et on ne s'ennuie pas devant Better Call Saul, on ne s'ennuie pas, on savoure. On se délecte de ce magnifique spectacle. Parce que oui, la série a le luxe de s'offrir une réalisation et une photographie absolument parfaites. Il y a une vraie mélancolie qui se dégage de cette atmosphère, une vraie profondeur visuelle. Et les plans fixes sont d'un magnétisme et d'une beauté extraordinaire. Enfin, pour résumer, c'est beau, quoi. Et ce qui est dingue avec ce spin-off, c'est qu'il a réussi à tirer son épingle du jeu et à complètement sortir de l'ombre de son aîné. On arrive même parfois à oublier que tout ça se passe dans le même univers que Breaking Bad. Les plans de caméra et les techniques de montage sont quant à eux toujours au service d'une situation. Un plan séquence qui va souligner l'enchaînement et l'efficacité, un cut rapide qui montre de quelle manière une personne peut être déconnectée, un split screen qui va avancer l'intrigue de plus de 1 an et qui va confirmer le détachement de 2 personnages. On assiste à quelque chose qui est pensé, mûri et réfléchi. Regardez par exemple cette scène de l'épisode 2 de la saison 3. Elle introduit le personnage de Gus et elle l'introduit dans le show de Saul Goodman. C'est important de le souligner car Saul est ici montré au premier plan. Mais voilà que se dessine une silhouette en arrière-plan. À peine visible mais suffisamment pour que tout le monde comprenne quel personnage fait son entrée en scène. On introduit donc un personnage central connu, dans un décor connu, mais tout en gardant le sens des priorités, Saul Goodman. Toute cette mise en scène est un message pour dire oui, c'est l'univers de Breaking Bad, mais ici, c'est Saul Goodman qui fait la loi. Et c'est tellement plaisant de suivre un programme aussi subtil. Pas un épisode se passe où on se dit pas, mais ce personnage qui fait, c'est hyper malin, c'est hyper intelligent. Enfin bref, Better Call Saul est ce qui se fait de mieux en termes d'écriture en ce moment. Et on s'en rend compte à travers le développement des personnages. James McGill, alias Jimmy, est un personnage extrêmement fascinant. En conflit permanent avec son frère pendant ses 4 saisons, on n'arrive pas en tant que spectateur à détester celui qui est fautif la plupart du temps. On s'attache à cet escroc sympathique car il essaie au final de faire ce qui est juste à travers ses fourberies. Et ce conflit avec son frère prend fin lors du dernier épisode de la saison 4. Jimmy refuse d'assumer ses sentiments pour son frère après sa mort. Il ne se laisse jamais submerger par ses émotions. Il réalise qu'il est dans son ombre et c'est d'ailleurs magnifiquement souligné par l'intro de l'épisode. Il se rend compte enfin dans cet épisode que personne ne lui pardonnera ses fautes. Alors il craque. Et c'est à partir de cette scène, dans cette voiture, qu'il devient Saul Goodman. Dans son discours final, il laisse croire qu'il accepte son héritage, qu'il accepte de suivre le droit chemin. Mais il fait au final tout le contraire. Kim est d'ailleurs consciente de ça pendant un bon moment, et quand elle croit qu'elle l'a sauvé,
elle se rend compte qu'elle l'a perdu à tout jamais. L'avenir de Kim dans la vie de Jimmy est encore incertain. On sait qu'elle a un penchant pour l'escroquerie. Alors, qui sait, peut-être est-elle le partenaire de Saul Goodman dans les années Breaking Bad, et qu'elle agit dans l'ombre pour aider celui qui sera alors son mari. Ou peut-être que son sens de l'honneur et de la loi va faire qu'elle va s'éloigner de plus en plus de Jimmy. Et au vu de la scène finale, c'est la seconde option qui est la plus plausible. Même si Vince Gilligan nous a bien appris un truc, c'est que rien n'est prévisible. Bref, Better Call Saul brille tout autant que la série mère, et arrive à s'émanciper de cette dernière tout en y faisant des références. Des références tellement subtiles que certaines vous ont peut-être échappé. Mais ne vous en faites pas, après cette vidéo, cette série n'aura plus aucun secret pour vous. Ma vidéo sur Breaking Bad est titrée comme le chef-d'œuvre du détail. Un détail que n'a pas perdu Monsieur Gilligan et qu'il a même réussi à perfectionner avec le temps. Dans l'épisode 11 de la saison 3, Saul dit à Walter qu'il a un jour fait croire à une femme qu'il était Kevin Costner et qu'il y a tellement cru que elle aussi y a cru. I once convinced a woman that I was Kevin Costner and it worked. Because I believed it. Eh bien, cette histoire a réellement existé. Dans l'épisode 10 de la saison 1, il se réveille aux côtés d'une femme et voilà ce qu'elle lui dit. Hey. Hey. You are not Kevin Costner. I was last night. Rappelez-vous également de cet homme, Ken, qui avait tellement énervé Walter que voilà comment ça avait fini. Eh bien, quelques années auparavant, ce très cher Ken s'est également fait berner par Kim et Jimmy. Et il s'est fait berner en buvant le même alcool que boit Don Eladio dans Breaking Bad. Bon Dieu, Vince, tu es un génie. D'ailleurs, il est intéressant de constater que Don Eladio est introduit dans Better Call Saul de la même manière dont il meurt dans Breaking Bad. Et à ce niveau-là, même le mot génie n'est pas suffisant. Dans l'épisode 5 de la saison 2, quand Hector est en train de menacer Mike, on peut apercevoir au premier plan un objet qui fera la légende de ce personnage. Non mais même les Beatles ont le droit à leur référence. I need somebody, help, not just anybody, help. Et le sens du détail est poussé à un tel extrême que même les objets n'y échappent pas. Dans l'épisode 1 de la saison 1, Saul détruit une poubelle. Et cette poubelle, on la retrouvera 4 saisons plus tard au même endroit et dans le même état. D'ailleurs, ça vous rappelle rien ça? Je pourrais également vous parler du site internet de UL qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Walter White. D'ailleurs, les deux sites sont en ligne et disponibles dans la description. Mais non, je préfère vous parler d'un personnage que vous adorez tous et qui a été introduit dans Better Call Saul sans que vous vous en rendiez compte. Je parle de Jesse Pinkman. Dans une scène où Jimmy passe un appel téléphonique depuis une cabine, on peut y apercevoir un graffiti anodin représentant les lettres GPI. Un graffiti signé Jesse Pinkman, et qu'on retrouvera sur les murs de sa maison dans la saison 4 de Breaking Bad. Bref, je pourrais faire ça pendant des heures, vous parler par exemple de la bague que Jimmy récupère après la mort de son ami, avec qui il est devenu un escroc et qui représentera symboliquement la corruption de Saul dans Breaking Bad, ou encore ça... Help! Help! Show your head! You guys are cops! I got bad knees! Take it easy! Breathe in, breathe out. Alright, I'm gonna stand up, alright? Cause I got bad knees. Here's Johnny. Let's do this. Here's Johnny. Mais je préfère pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Better Call Saul est d'une qualité indéniable. Et ce qui aurait pu être un spin-off raté de plus se révèle finalement être un véritable chef-d'œuvre. Pas meilleur ou pire que Breaking Bad, simplement aussi bon. Voilà, je vous quitte sur ça, merci à vous d'avoir regardé, et surtout n'oubliez pas... It's all good, man.